Lancement officiel le jeudi 23 mai 2024 à Mwanda, d'une formation des femmes vivant avec handicap par l'entreprise de communication Vodacom au travers de sa fondation dans le projet Je suis apte. La locution de circonstance est débitée par le superviseur commercial Thomas Kalala. Présentant la fondation Vodacom dans ses objectifs qui visent à contribuer au développement des communautés et ses piliers qui reposent sur l'inclusion de tous, la bonne santé, l'autonomisation. Dans la province de Congo central, pour présider la cérémonie du lancement régional du programme dénommé Je suis cap en français, je suis fort. Le mot du go dit par Madame l'administrateur du territoire ici représenté a dans son speech remercié le chef de l'État qui prône pour l'entrepreneuriat et encourage l'autonomisation, donner des éloges et jeter des fleurs à cette action noble et geste de solidarité et humanisme accompli par la Fondation. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est ainsi, nous déclarons ainsi ouverte le lancement des formations officielles de la cérémonie et la formation des personnes vivant avec handicap dans les territoires de Mwanda. Que vive la RDC, que vive la province du Congo central, que vive les territoires de Mwanda et que vive à jamais la fondation Vodacom. Nous vous remercions. Dans une ambiance de gratitude et acclamation de l'auditoire, les présentations continuent en la personne de la chef de délégation de l'équipe pilote Madame Annie qui a dit de façon succincte. Malou Madanga qui est dans le cabinet de la fondation qui a expliqué les motivations du projet. Bazan a tina ya éducation te, bazan a tina ya formation te, mingi mingi bachata bibani mousso, mais eza ya solo te. Bozali na tina, iso ba maman tozali na tina, toza na tina makasi, na sepele mingi go moko dialogi, que projet oyo ekende mousso. Pourquoi pas de l'olobi, tolo bakati na projet oyo, Mwanda et Mati. Mwanda économiquement et la Kikongo Baloba est fouluki. Voilà, est fouluki. Voilà. Le manager du Bas-Fleuve a clairement annoncé que ce projet a indexé Mwanda pour 30 femmes handicapées. Il a donné des conseils sages aux femmes. L'homme a posé question à maman,
na posé capital na yo ezak combien a ebisi na capital na nga ezali si ekolo ya ya farine. Donc soit aussi si ekolo ya farine alobi ekolo moko ezak combien 2000 francs si ekolo ça fait 12000 francs. Mais il faut d'accord na disele ya maman alobi boko banda 12000 francs a pesi bino 275 dollars. Les bénéficiaires sont intervenus pour les questions. Vis-à-vis de ce que nous venons de faire comme lancement officiel pour la formation de 30 femmes vivant avec handicap dans le territoire de Mwanda. Je réponds au nom d'Alfred Sitanzita. Je suis le chef de bureau de la permanence sociale des affaires sociales du territoire de Mwanda. Je suis venu représenter nos autorités locales au nom de madame la directrice du territoire empêché par son assistant. C'est pourquoi ils m'ont délégué pour que je vienne lancer cette formation officielle pour que nos jeunes puissent bénéficier à ce qu'elles ne puissent pas rentrer dans la misère et pour que cette formation puisse les aider à devenir autonomes. Et ça va faire partie aussi de l'entrepreneuriat pour que demain ou après-demain, qu'ils ne soient plus des mendiants. Je crois que vis-à-vis de ma présence, j'ai été très content de voir combien de fois cette jeunesse, soit ce nombre de femmes, venaient d'être prodiguées conseils pour qu'à leur tour, qu'ils ne puissent pas réduire, soit rabattre tout ce qu'on va leur donner comme moyen pour que cela ne puisse pas se retrouver à zéro. Et je crois qu'ils ont quand même retenu de bonnes choses, ils ont quand même gardé quand même beaucoup de conseils. Et je crois que par rapport à la formation qu'ils vont suivre, et les formateurs sont aussi dignes de leur compléter encore certaines connaissances qui leur manquent pour que cela les amène à une réussite. Lancement officiel, il y a formation, il y a makumitatu, il y a ba mama ke zingakana handicap na nzutu. Alors, na lancement yango, mounou yai, le chef de bureau ya permanence et affaires sociales, ya territoire de Mwanda, mais vous a représenté, ba fumu ya bwala, sa mouna koupe sa lancement officiel na yango, et ya melouta mbote, et moubanja, ba bénéficiaire, ba me kouza koua ba conseil mingi. Na ba différentes autorités, et soit il y a Vodacom, soit Baya ya Karakaka, et ba upia, ba mekua, et lokola pe ba kena maboko ya ba formateur ya ba ou, et je crois que ba formateur ba ke mieux placé, ba kena bisika mosi, ya kuvuanda samu na kupesa ba ou malongi ya kufuana, pour que mbazi mbazi, ba bika kuvutu kadiaka na zéro par rapport na bozuya iba kena kupesa bau samu yako kutombola luzingo na bau soit kinkita iba kena kupesa bau c'est comme emploi donc il sale ba me pesa bau na Vodacom parce que mingi na bau vanaka ba chômeur mais na bubu yai ba me kuma batu ya kisalo. D'accord, moi c'est madame Malou Madanga, je suis agent Vodacom auprès du département de développement durable qui est une sœur en fait de la fondation Vodacom. La motivation derrière cette activité, c'est comme l'a dit ma collègue précédemment, c'est vraiment autonomiser la femme et autonomiser particulièrement les personnes vivant avec handicap.
Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la technologie. Nous pensons que la technologie et les services de Vodacom peuvent valablement aider cette population marginalisée à créer en fait un boom dans leur propre vie, mais aussi pour la société. Nous pensons profondément que ces personnes sont utiles, que ces personnes sont nécessaires à l'essor et à l'inclusion financière de notre pays. Alors, des personnes vivant avec handicap, il y en a dans toute la RDC. Nous avons commencé par la province du Congo central, nous avons commencé par Mwanda, mais nous irons dans toute la RDC. Et les années précédentes, nous avons, parce que c'est un projet en fait qui a commencé il y a une année à peu près, et donc nous avons déjà pu autonomiser 950 femmes sur ce même projet dans toute la République, et nous visons vraiment à atteindre de plus en plus de femmes vivant avec un handicap. Moi, c'est Thomas Kalala. Je suis le superviseur ou le responsable commercial de Vodacom Mwanda. En fait, c'est une grande joie pour nous, une grande joie pour d'abord les autorités locales de Mwanda, une grande joie pour la population en général de Mwanda, une grande joie pour le ministère des tutelles de Mwanda qu'aujourd'hui ces projets puissent avoir le jour. C'est ça vraiment la première et grande impression. Et nous espérons que c'est la première édition. Et nous espérons et nous souhaitons, nous pensons qu'avec la confiance de femmes vivant avec handicap aujourd'hui, qui doivent se considérer comme des capables, qui doivent se considérer comme des personnes n'ayant pas un handicap mental, mais un handicap physique, qui sont capables de pouvoir se prendre en charge, de pouvoir tout faire et de pouvoir être vraiment considérés dans tous les domaines. Et moi, c'est Madame Annie Moubiala, je suis à la Fondation Vodacom, je manage le projet Je suis cap. Aujourd'hui, on a fait le lancement, on a donné les go du projet Je suis cap, donc on va commencer avec le projet, la formation durant deux jours. Donc aujourd'hui, on fait la formation avec le produit et service M-Pesa et demain, on va faire la formation en produit et service en vente de SIM et crédit. Avec handicap, parce que les femmes vivant avec handicap sont donc, des personnes faibles d'abord et les femmes donc, sont vraiment des personnes marginalisées parce qu'on s'est dit on ne sait pas évoluer comme ça. Donc chaque fois, on a des demandes de personnes avec handicap chaque année. Ils viennent auprès de notre institution pour demander une contribution annuelle durant l'année. Et nous, on s'est dit, on ne sait pas, c'est pas bien, c'est pas vraiment normal de contribuer avec 500 $. On s'est dit, on va prendre en charge le maman parce que c'est la maman qui est la maîtresse de la maison, c'est la maman qui contribue plus à la famille, c'est maman qui est dont la maîtresse de la maison si je peux le dire. Donc on s'est décidé d'autonomiser les femmes. Donc on va autonomiser 30 femmes ici à Mwanda et 70 femmes à Matadi. Donatrice ya ONG ya ba personne vivant avec et loko tomoni na fondation Vodacom et loko ya malamu o asali parce que personne vivant avec handicap amonanaka mutu moko asengaka donc azana na mendicité ale kaka ko senga mais toye komona fondation Vodacom abimeli biso alobi boye na lingi lisusu bo senga te na lingi na pesa bino misala na misala o ya o pesa biso. Après, si on a fond, il y a un travail. Donc, les années, la Fondation Vodacom a eu ça, l'auto-prise en charge. Il y a des personnes vivant avec handicap. Merci pour les gens qui ont eu Vodacom. Par rapport à mon camp, il y a eu visité Bissot. Parce que biso tozalaki bana bitike ba te o yeko pesa mela biso ya Vodacom ya genre de Vodacom mais ayeko soutenir biso donc na sepeli na ngoma kasi en tout cas toko desevoir bango te.